vous montrer la connerie, quoi. Hein. Voilà, là-bas, c'est, ouais, je sais pas si vous voyez le panneau, Langlade, Clarensac, Caveirac, par la D14. Bon, ici, Bernice, il a raté complètement son feu, qu'il aurait dû mettre un petit rond-point ou faire une autre solution. Voilà, j'ai le vert. Alors, je vais vous montrer un peu les routes. La route, comment ça s'appelle, à comparer avec le Portugal, pas avec l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est devenu les États-Unis. Hein. Alors, voilà. Déjà, c'est le danger, quoi, vous voyez. Il y en a qui arrivent comme des cariclos, hein, pour se partager là sur ces ponts. Un sur la SNCF, l'autre sur l'autoroute, hein, qui est là en bas, et qui est saturée aussi. Bon, je vais vous montrer le niveau des routes. Et le danger, parce que franchement, les routes sont pleines de trous, il n'y a aucune balise, il n'y a rien du tout, même pas les mini-routes du Portugal ou de l'Extrémadure, qui est la région la plus pauvre. Excusez-moi si ça ballotte, je ne peux pas faire autrement. Ça ballotte. Et là, ils sont en train de faire le rond-point de Huchot-Vestric, que le goudron, il avait, je vous jure, sur mon honneur, l'honneur de Jean-Jacques le pauvre, le goudron, il n'avait absolument rien. Regardez un peu. Ils refont là-bas le goudron. Et ici, regardez la merde que je me tape, franchement. Les routes infâmes, très très dangereuses. Des fois, il y a des poids lourds là-dessus. Hein. Des fois, il y a de tout. C'est... Je vous jure que je suis ballotté comme une merde. Hein. Ils me font une vie de merde. Et tous ces gens de l'administration et tout ça, franchement... Ben, ils n'ont pas mon chapeau. Et là-dessus, comme normalement, ce serait limité à 80. Moi, ces routes comme ça, je les aurais mis à 70, grand maximum. Hein. Mais comme c'est limité à 80, et qu'il n'y a pas de radar, il n'y a que dalle, ben vous avez des gens, là. Oh purée, que ça saute, quoi, nom de Dieu, je suis obligé de freiner comme plus ça se croise. Il y a des gens là-dessus, ils se tapent un bon 130, hein. Un bon 130, hein. Je vous promets, regardez, tout est cramé, tout est pourri, mais regardez là, les routes, et l'autre qui me double avec la moto, mais là on est en France, mes amis, on est en France, d'ailleurs à Vergès, hein, ils ont voulu faire une sorte de truc, et le camion il s'est mis à cul aux arènes, pour le taureau il est sorti, tellement qu'il s'est bien, il a encorné tout le monde, il a encorné un gendarme, il a fallu qu'il le tue, le taureau au milieu de la kermesse et tout, à Vergès, non mais... Franchement, plus ça va, mes amis, plus vous travaillez comme des bourriques. Hein. C'est vraiment... Là, je vous montre, hein, c'est au pif. Hein, je roule par là, je vais faire une prise de sang. Hein, parce que je fais... regardez, le poteau, il est tombé par terre. Mais c'est tout qui est comme ça. C'est une vidéo au pif. Tout est cassé. Tout est dangereux. Regardez les artisans avec leurs bennes qui foncent. Tout. Voilà. Voilà pour vous montrer la différence avec les mini-routes que j'avais, que je me décontractais au Portugal. Et derrière moi, vous pouvez voir, hein, ça bouchonne. Hein. Ça bouchonne parce que je roule trop doucement là, je suis à 65. Moi j'estime que déjà je suis suffisamment vite. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors je vous quitte, excusez-moi si la vidéo ballotte, mais je ne peux pas faire autrement. C'est un merdier sans nom, allez. Je vais essayer de... Regardez le danger, mes pauvres amis, sur ces routes mortelles qu'ils nous font. Et l'autre, regardez comme il bombe à fond. Il arrivait comme un enculé, quoi.